Salut tout le monde, c'est Mathutu avec X62 pour la suite du let's play sur Eragon. Et donc on est parti, écoute, on va lancer le piège, je sais pas, j'arrive pas à lire tellement que c'est de la mauvaise qualité sur la PS2. Y a pas d'accent. Non, y a sur pas. Sur les mots, y a pas d'accent. On a pas vu. Bon, en tout cas, attends, je vais peut-être fermer ça. Ouais, c'est mieux. Bon, ouais, pas trop non plus. Hein. On continue. Ouais, on continue gentiment. Oula. Très enculé. Bon. Moi je te dis, ça va. Oula, alors, vas-y, prends le contrôle. Appuie sur. C'est bon. C'est bon. Alors je sais plus. Utilise ta magie sur ses racines. Ok, ah oui, moi faut que je libère Saphira. D'accord. Faut que tu me protèges en fait. T'as commencé à vibrer, je sais pas si vous entendez vous dans la vidéo, mais. Non, ça vibre pas. Ah non, c'est moi parce que tu sais. Allez. Putain, et tu te souviens comment on joue ou... Bah oui, mais il est chaud hein. Ouais, je sais. Faut arriver à le frapper déjà. Hop. Ouais, parce qu'en fait, on vous explique, on fait tout le let's play presque d'affilée en fait. On change juste. Avant celui-là, on a fait en d'affilée. Ouais, en fait, si tout vous voulez. Ce qu'on a fait avant on change. Ce niveau-là, on l'a fait d'affilée. Ouais, en fait, on fait souvent, enfin. Alors. Utilise ta magie sur les engrenages. Et quoi? Les gars, il attaque. Il fait des trop longs sauts. Après, moi j'aurais plus de life hein. Comment ça vibre? Hop là. Donc c'est un Y a peut-être. T'as vu, il suffit qu'il fasse un saut pour te rejoindre. Ça. Attends. Et puis t'attaquer. Non, mais je vais pas le faire sur lui, putain. Putain, il est. C'est bon, j'ai eu. Ah, mais il y a deuxième. Le second Razak. Mais genre, tu l'as eu comme ça. Bah, je l'ai tellement frappé hein, au final, il est mort quoi. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, quand t'es tout seul à jouer, c'est chaud parce que. Ah bah oui, parce que le PNJ fout n'importe quoi, c'est ouais, ça. Donc, du coup, Même s'il y a que de la baston dans le jeu, la coopération ça compte aussi. Sauf que là, je vois pas le mec. C'est pas grave, j'arrive à enlever toutes les racines. Non mais il nous tire dessus. Oh fou, il fait rien. Ah là 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 là, easy. Bon, on va réussir du premier coup, hein, tu me dis pas me dire. Pourquoi, dès qu'on l'a libéré, c'est bon? Je crois qu'on gagne, oui, parce que bah tu crois qu'ils ont ils sont assez forts pour battre... Ça sera, bah... Non, je pense pas. Ils ont réussi à la bloquer comme ça. Donc... Ah, mais je crois que là il y a plus le choix, faut le frapper. Allez, on lâche. Oh, regarde, attends, il y a l'œuf. Ah, oh ouais, je l'ai eu. Il m'a attaqué. Attends, je m'en occupe à l'arc. Non, je veux le frapper. Attends, j'ai mis une flèche magique. Baston. Tu lui as fait quelque chose, ma flèche magique? Il est pas mort en tout cas. C'est en fur. Attends, viens voir. Oh, le but c'est à deux. Attends, je vais aller voir. Attends, viens voir un peu si on peut pas refaire de la magie, non? Attends, je la tire. Oh, t'as vu la coopération qu'on a mis? Oh non, c'est pas fini, foufoulé. Oh putain, on va les poutrer. En plus, ils crachent de la merde. Ils crachent de la merde, de leur bouche. Non, moi faut encore que je fasse la magie. Ok, bah ouais, mais ils sont deux. Ok, alors essaie de les pacter, je sais pas comment tu pourrais faire, mais... Attends. Vas-y, moi, parce que là, moi, faut que je m'approche des racines, en fait, c'est ça le truc. Non, c'est bon, ils sont pactés. Ok. Mange ça. Hey, ce qu'il m'a fait. Ah, attends. Ça va, j'ai l'impression que notre vie, je sais pas, j'ai l'impression qu'on se régène ou il y a. Bah, putain, l'enculé. Ou alors quand tu prends des. Quand tu butes un ennemi, tu récupères peut-être. Quand tu récupères ces espèces d'âmes là. Ça fait pas peut-être un peu de vie. Peut-être ça fait pas. Ouais, ça fait peut-être un peu de vie. J'en sais rien. Vas-y, attends. Hop. J'ai toujours demandé à quoi ça servait. C'est bon, j'arrive à en refaire un. Voilà. Ah, il m'a touché avec son putain de poison. Oui, mais je peux pas bouger. J'étais immobilisé par. Fais gaffe, ça a plus beaucoup de vie. Hein. Oh, mange ça. Oh putain. Attends, je peux pas faire la magie là. Ok, c'est bon. Dépêche, tout seul, je vais me faire défoncer. Il en reste plus grand chose. Utilise ta magie pour soulever les rois. Oui, je vais mourir. Oui. Mais il a un peu m'en foutre à terre. Regarde, t'as vu En fait, il y en a un qui me saute dessus. C'est bon, regarde, non. Ouais. Voilà, bon. Regarde, t'as presque vu ta vie. Oh, mais il est chaud. Allez, non. Genre là, on arrive à les comme ça. Avec un effet de soleil. Aragorn apprit que Brom était un dragonnier, mais que son dragon était mort. Tué par Morzan, un traître au service du roi. Cette nuit-là, Eragon eut une vision d'Aria, la plus belle créature qu'il ait jamais vue.
Je suis prisonnière dans la forteresse de Durza, à Gilead. Par pitié, sauve-moi. Ouais, l'histoire c'est du grand n'importe quoi. Mais enfin. Ça sent le gros piège. C'est un piège à la con. Bon, en tout cas, on espère que cet épisode vous court, vous aura plu. Ah, il est très court. Hein. Et puis on vous dit à bientôt pour le. À la prochaine, hein. Pour le prochain épisode. On enchaîne, hein, pour ouais, exactement. Voilà. Ciao les gens. Salut à tous.